Donc la déshydratation extracellulaire. La déshydratation extracellulaire, je recommence la vidéo en haut en vous reposant. Donc la déshydratation, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que les vomissements provoquent une perte rénale ou extra-rénale de sodium? Rénale. C'est faux. Je te fais mais vous êtes anormaux. C'est trop tard. Voilà, le but de tout ça, c'est de vous dire, il faut faire les choses en les comprenant. D'accord ? Ne dites pas n'importe quoi. Tabouche n'importe qui. Il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait. Si vous dites comme plusieurs fois, il faut faire confiance à personne. Maintenant, les vomissements provoquent une perte de sodium qui est rénale. Les vomissements, qu'est-ce qui provoque les vomissements? Les vomissements provoquent une perte de HCl, une perte de H+. Oui, les vomissements sont acides, c'est du sucre gastrique. Donc je vais avoir une perte d'acide, d'accord? La perte d'acide va provoquer une alcalose. Pourquoi elle provoque une alcalose? Parce que j'ai de l'H2O va être transformé en acide carbonique. L'acide carbonique va donner des bicarbonates plus H+. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un déficit en H+. J'ai vomi. Vomissement. Il y a une diminution du H+, dans mon organisme. Je dois récupérer la quantité de H+, pour éviter l'alcalose. Comment je récupère la quantité de H+, je prends le H2O, je transforme en acide carbonique, puis H2O plus et O2, donc je le transforme en H+, plus bicarbonate. Le H+, il redevient normal, puisque j'ai perdu. Je retransforme, le H+, devient normal. Ça, qu'est-ce que j'ai en excès des bicarbonates? Les bicarbonates deviennent en excès et ils peuvent me provoquer une alcalose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer les bicarbonates au niveau du rein. Je vais éliminer les bicarbonates. Et les bicarbonates sont chargés négativement. Ils vont attirer le Na+. Ils vont attirer le Na+. Et j'aurai une élimination de Na+ qui est rénale. Donc les vomissements, je vais trier le Na+. Je trier le H+. Qui trier le H+, il me dit les bicarbonates. Qui me dit le bicarbonate, je vais l'éliminer dans le rein. L'élimination rénale des bicarbonates va être accompagnée d'une élimination de Na+. D'accord? Donc c'est une perte? Rien. C'est une perte rien. Désolé de vous avoir induit en erreur, c'était pour vous. Je me fais tant comment, pour le fun. Haya. Donc c'est une perte? Rien. La majorité d'elles, ils considèrent que c'est une perte extra-rénale, or c'est une perte rien. Donc. Le café est la meilleure découverte de l'être humain. Molotov. D'où est une invention? Non, pas. Tu connais l'inventeur? Tu connais quoi? Addison. Addison. Thomas Edison. Thomas Addison. Parce que Addison, c'est une personne. Je m'assois. Oui, Edison, c'est une autre personne, d'accord? Edison, c'est celui qui a inventé la lampe. Addison, c'est celui qui a découvert le syndrome d'Addison. Ou bien justement Thomas. Ouais, justement Thomas Edison. Le autre, c'est Thomas Addison. Qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je crois que jamais de la preuve est. Mais voilà. Donc, maintenant, je vais mettre. Pourquoi elle est rénale? Parce que quand j'ai des vomissements, j'ai une élimination de H+. L'élimination de H+ nécessite une compensation de la quantité d'H+. Quand je récupère le H+, je dois le récupérer avec synthèse de bicarbonate. J'ai une perte d'acide, donc j'ai une alcalose. L'alcalose nécessite une élimination de bicarbonate. L'élimination de bicarbonate va attirer les Na+. D'accord? En transformant l'eau, vous connaissez avec la fameuse équation de l'équilibre de... C'est l'équation
H2O plus CO2 voilà est égal à H2CO3 H2CO3 tu mets les bicarbonate plus H+ H+ je l'utilise ça bicarbonate il devient en excès je vais l'éliminer au niveau du rein quand il est éliminé au niveau du rein hop 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 il prend avec lui le sodium donc j'ai une hyponatrie d'accord hay l'hépatite rénale usage de certains diurétiques comme tous les diurétiques provoquent des pertes de sodium et d'eau diurèse osmotique c'est quoi la diurèse osmotique je peux pas rester ainsi la diurèse osmotique c'est l'élimination d'eau suite à une élimination d'une molécule osmotiquement active donc j'ai une molécule osmotiquement active au niveau de mon organisme au niveau de mon sang au niveau de ma circulation qui est en excès que je dois éliminer en l'éliminant elle va attirer l'eau avec elle exemple l'écorce cétonique. Exemple, le glucose. D'accord ? Le diabète. Donc j'ai une élimination de transport maximal du glucose. Il est à 1,80 g par litre. Quand il dépasse le seuil de transport maximal, il est éliminé au niveau des urines. En étant éliminé au niveau des urines, il attire avec lui l'eau. Et donc j'aurai une déshydratation. Une déshydratation. D'accord ? Et là, c'est la diurèse osmotique. Hypoaldostéronisme, j'ai une atteinte de l'aldostérone, je ne peux pas synthétiser l'aldostérone quand j'en ai besoin, donc je n'ai pas de Na+, je ne peux pas réabsorber le Na+ ne peut pas réabsorber l'eau, et donc j'ai une élimination d'eau. Hypoaldostéronisme, c'est... Voilà, hypoaldostéronisme, c'est la maladie Addison, c'est l'insuffisance surrénalienne. Restriction sodée abusive lors de certaines néphropathies responsables d'une perte de sel, néphrite, interstitielle, polykystose, néphropathie tubulaire chronique. Voilà, c'est des pathologies rénales. Nous, quand on a dit une pathologie rénale, nous avons dit une restriction sodée, je peux avoir des pertes hydriques pour rééquilibrer le sodium. On ne contrôle pas vraiment les apports en sodium. S'il y a atteinte rénale et restriction vraiment importante. Donc j'ai une diminution de la quantité de sel, elle va être accompagnée d'une diminution de la quantité d'eau. Hi. Extra-rénal, digestif, fissure biliaire, duodénale, fissure c'est une communication pathologique. Hein? D'accord. Donc il y aura des pertes, duodénale, pancréatique, dont la sécrétion ont une concentration sodée voisine à celle du plasma. Donc j'ai par exemple une fissure biliaire, la vésicule biliaire ou les voies biliaires vont perdre des liquides. Ils vont les éliminer en tant que diarrhée. Donc j'ai une perte, c'est une perte hydrique. Au régime cutané, la sudation excessive lors de la mucoviscidose. Déjà, c'est comment on diagnostique la mucoviscidose, c'est le test à la sueur. Oui, l'usage du chlore au niveau cutané. Coup de chaleur, brûlure, d'accord, les brûlures, les coups de chaleur, j'ai une atteinte à la paroi cutanée, donc j'aurai des pertes excessives d'eau. Je dois être comme ça, comment il perd l'eau. Je déshydrate facilement. Pertes liquidiennes non extériorisées, donc un des deux types de pertes hydriques, les pertes extériorisées, les pertes non extériorisées. Les extériorisées, ben, il y a une élimination. Okay, les pertes non extériorisées, c'est les pertes qui sont séquestrés à l'intérieur de mon organisme sous forme de troisième secteur qui m'a l'acide, qui m'a liquide pleural, d'accord. Voilà, occlusion intestinale, péritonite. L'occlusion intestinale peut donner une péritonite ou la péritonite peut donner une acide. Bon, c'est pas aussi important que l'acide par transuda. C'est-à-dire c'est de l'exsuda, c'est une inflammatoire en couche. Ça, je peux avoir un liquide d'acide, hein, les inflammations. Les inflammations, les cancers, il y a certains cancers qui donnent des acides. Ou tu as un cancer, tu as un acide. Je connais. Raya, qui peut me le donner? Cancer de l'ovaire. Ils mettent des. Parce qu'ils donnent très facilement une carcinose péritonienne. La carcinose péritonienne, elle sécrète donc j'aurai un exsuda, du liquide exsudatif. Kif. La déshydratation extracellulaire sera suivie d'une déshydratation intracellulaire, à part les cas donc, complexes. C'est l'hyperhydratation. Il y a une hyperhydratation qui a causé l'acide. Il y a une acide qui a vidé les vaisseaux. Donc, vous devez toujours comprendre le mécanisme. Insuffisance rénale, hyperlatrémie, hypercalcémie, hypercalcémie, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, il faut toujours suivre l'enchaînement. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une inflammation
au niveau de, du périgord, j'ai attiré l'eau. Cette attraction d'eau a vidé les vaisseaux. J'avais un excédent au niveau des vaisseaux. J'ai mis l'eau dans le périgord. D'accord? D'accord? Rayon. Clinique de la déshydratation extracellulaire. Voilà, je t'ai passé à la déshydratation. Parce que, donc, à quoi faire, je m'intéresse à l'ojotinsine. Pourquoi il y a, comment se font les mouvements. Donc, les comment ça s'appelle, les troubles, on va les faire très facilement. La clinique, les signes de déshydratation, diminution de la pression artérielle, de la pression veineuse centrale, de la pression artérielle pulmonaire, d'accord. Les pressions hypertonnes. On peut arriver jusqu'au choc hypovolémique. Quels sont les signes d'un état de choc? Qu'est-ce que c'est la sémiologie vasculaire? Oui. Oui. Il ne faut pas s'asseoir. Mes pieds me font mal. Donc, tachycardie? Attends, une fois. Pas là. Oui. Très bien. Zido. Pression artérielle diminuée, zido. Oui, polypnée, chute de la pression artérielle, refroidissement des extrémités. Gawéchidir sympathique est présent. J'ai réouéchidir sympathique. Très bien, parce qu'il y a une activation du système sympathique, l'état de choc. Parce qu'il y a, Hadia fait l'état de choc, attention, j'ai qui trouvé, c'est en phase de choc compensé. Parce qu'il y a une stimulation du système sympathique. Au moins, le système sympathique va être dépassé. L'état de choc décompensé, on ira aux signes sympathiques. Très bien, donc l'état de choc compensé, il y a des signes sympathiques, d'accord. Donc on peut avoir une midriase, d'accord. Refroidissement des extrémités, pâleur, on dit même que les extrémités sont en marbrure, marbrure des extrémités, le chibou de l'alcham, tellement c'est pâle. D'accord. Tachycardie, oligurie, voilà, oligurie, parce qu'il y a une déshydratation, donc il y a une diminution de la pression de filtration glomérulaire et donc j'aurai une déshydratation. Aplatissement des veines sous-cutanées, les veines étaient platao, surtout les endomènes, les veines turgescentes, qui sont les veines de musculation, les veines ibanes, donc elle devient plate par déshydratation. Pâleur, voilà, froideur. Signes traduisant la diminution du volume interstitiel, plis cutané, excavation des yeux, sécheresse des aisselles, perte de poids. Et là, la perte de poids, elle est modérée. Vous voyez, perte de poids modérée parce qu'elle est la principale quantité d'eau, elle est en intracellulaire. C'est surtout la déshydratation intracellulaire qui provoque des pertes de poids importantes. D'accord. Biologie, hémoconcentration. Morbé, c'était une hémodilution, maintenant c'est une hémoconcentration. La concentration des différents constituants du sang est élevée. Donc, on peut avoir des signes rénaux. Si le rein est responsable de la déshydratation, diurèse normale ou augmentée avec natriurèse élevée. Si le rein est normal, insuffisance rénale fonctionnelle. Et là, c'est très important. On vous dit que les signes rénaux vont différer selon que le rein soit impliqué dans la déshydratation ou pas. La déshydratation, elle peut être causée par le rein lui-même. Ça, ou là, là, là. Je peux avoir une déshydratation par atteinte rénale. Par exemple, une atteinte du système rénine angiotensine aldostérone. Je n'ai plus de sécrétion d'aldostérone. Donc, il y aura une fuite de sodium. La fuite de sodium va être accompagnée d'une fuite d'eau. La fuite d'eau va me provoquer une déshydratation. Et là, qui fait ce qu'on a la diurèse? La diurèse qu'on a élevée ou la conservée alors que mon organisme est en déshydratation. Quelle est la pathologie que vous avez vue et qui est caractérisée par ce système? Excellent, le diabète insipide. Le diabète insipide qui est caractérisé par une polyurie malgré une déshydratation. Pourquoi? Parce que j'ai une incapacité de fonctionnement de l'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique ne fonctionne plus. Soit elle n'est pas sécrétée, soit elle ne reconnaît plus ses récepteurs. Donc l'hormone antidiurétique ne travaille plus. Quand elle ne travaille plus, elle ne peut pas se fixer sur ses récepteurs. En ne se fixant pas sur ses récepteurs, elle ne peut pas exprimer les aquaporines D. Les aquaporines D n'étant pas exprimées, ne peuvent pas réabsorber l'eau. L'eau ne pouvant pas être réabsorbée, je vais garder les urines diluées. Donc les urines vont être éliminées sous forme diluée malgré l'hémoconcentration, malgré la concentration
du sang et la diminution de l'hydratation extracellulaire. Donc cela dépend si le rein il est impliqué dans la physiopathologie de la déshydratation. La diurèse elle est conservée ou même augmentée. Si il n'est pas la cause de la déshydratation, j'ai des vomissements, j'ai une diarrhée, là il y aura une diminution de la diurèse. Pourquoi ? Parce que le rein n'est pas impliqué dans le trouble, il va donc subir le trouble barque, puisqu'il y aura une hypopression artérielle, une diminution de la pression artérielle. La diminution de la pression artérielle va diminuer le débit de filtration glomérulaire. La diminution de la filtration glomérulaire va diminuer la quantité des urines. C'est clair, blé. En cas de déshydratation, en cas d'état de choc, j'ai une oligurie, une diminution de la quantité des urines. Pourquoi j'ai une diminution de la quantité des urines? Parce que je n'ai plus assez de pression, parce que je n'ai plus assez d'eau, parce que je n'ai plus assez de volume pour donner au rein la puissance de filtrer et d'éliminer ces urines. Donc ici, le rein subit. Déshydratation, lui aussi, il est déshydraté. Il n'a pas assez de sang, il ne donne pas assez d'urine. D'accord? Par contre, si c'était lui la cause, ben c'est la cause qui cause la déshydratation. Oui? C'est la cause qui cause la déshydratation. Aïe. De la hâte. Qui a je sais pas. T'as envie de la fusion, pote. Je sais pas, là, qui je t'aide là rapidement. Justement, non. Bon, même si c'était écrit dans l'ordre. Bon, donc ça va pas régler notre problème. Alhababi, comment tu fais les vidéos? Voilà. Il ne faut comme une règle dans votre vie, c'est comme vous voulez, mais pour moi ça sert. Il ne faut jamais, jamais, jamais se lamenter à décrire les problèmes dans lesquels on se trouve. Il faut toujours chercher les solutions les plus efficaces et les plus rapides. Est-ce que vous savez c'est quoi une personne intelligente, la définition de l'intelligence? J'ai dit le QCM rapidement, ta vidéo. C'est pas de l'intelligence, non. L'être intelligent, c'est l'être qui est capable, qui a l'aptitude, qui a la capacité de trouver les bonnes solutions le plus rapidement possible. Donc, tant que tu connais une situation inadéquate ou tu trouves la solution, vous êtes intelligent. Donc, il faut être intelligent. Donc, intelligemment ici, j'ai raté la séance à cause de Yassil Habs qui nous a pas précisé les est-ce que vous avez enregistré? Oui. J'écoute l'enregistrement, donc quand même, hop, le problème est réglé. Ça, voilà. Donc, je ne dépendrai ni de Yassi, ni de personne. D'accord? Allez. Donc, si le rein est impliqué dans la physiopathie, la diurèse sera augmentée. S'il n'est pas impliqué, elle sera abaissée. Ça. Le rein est responsable de la déshydratation. Diurèse normale ou augmentée, urée urinaire basse. Pourquoi l'urée est basse? Parce qu'il y a une dilution des urines. D'accord? L'urée, elle dépend de quoi? Elle dépend de la fonction musculaire, de l'élimination protéique. Yeah. Donc plus j'élimine de protéines, plus j'ai une synthèse d'urée hépatique importante, plus j'élimine de l'urée. Donc elle a la même quantité d'urée synthétisée, je lui donne beaucoup d'eau dans les urines. J'aurai une urée diluée. Si normal, il y aura une insuffisance rénale fonctionnelle. Vous savez maintenant, vous avez abordé le cours d'insuffisance rénale aiguë, vous savez ce que c'est qu'une insuffisance rénale fonctionnelle. C'est l'incapacité du rein à réaliser ses fonctions à cause d'un trouble hémodynamique. Ici, c'est un trouble hémodynamique. C'est quoi le trouble hémodynamique? C'est l'hypotension qui est due à la déshydratation. Donc j'ai une déshydratation, la déshydratation va créer une hypotension, l'hypotension va provoquer une diminution du débit de filtration glomérulaire, la diminution du débit de filtration glomérulaire a causé une insuffisance rénale fonctionnelle. L'insuffisance rénale fonctionnelle va provoquer une oligurie. Hypokaliémie et acidose métabolique en cas de diarrhée. Ben non, diarrhée, lorsque la diarrhée est responsable d'une hypokaliémie, une acidose métabolique due à la perte de bicarbonate est également mise en évidence. Bon, c'est clair, vous connaissez l'équilibre acide-base, une diarrhée donne surtout des acidoses. Donc des acidoses, pourquoi? Parce que le pH sous duodénal, il est alcalin, il est basique, donc les pertes hydriques vont causer des acidoses. Ou le vomissement, qu'est-ce qu'il donne? Le vomissement, qu'est-ce qu'il donne?
alkalose, une alkalose. Le vomissement, il y a une élimination de H+, donc il y a une alkalose. Sauf dans certains vomissements sous duodéno, qui sont habat. Donc je vomis le contenu de mes intestins. Je peux avoir une acide. Oui, ça peut arriver, oui. Il a qu'un alkalose, il a qu'un une occlusion intestinale. Voilà. Allez, on continue. Donc là, j'aurai un hyperaldostéronisme secondaire. Pourquoi j'ai une hypovolémie? J'active le système rénal angiotensine pour récupérer l'eau. Comme on a avec l'hyperhydratation extracellulaire, la déshydratation extracellulaire, donc on a le milieu intracellulaire. Vous voyez les troubles chez Sahlène qui ferme la physiopathe? Ou la machine Sahlène? C'est les biches fermées, ça? Ça va, je t'ai fait. Non? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est là. Allez, on continue. On arrête la vidéo.